Women's Award. Honneur aux femmes d'impact. Right, Sandra Pinel, we are here to celebrate the phenomenal African woman in the first edition of Africa Women's Awards. All thanks to a dynamic lady of Cameroon origin. She started from scratch and today she's a big woman. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Madame Matt Dikongo, aka Dinali. Ladies and gentlemen, please put your hands together for yourselves for coming here tonight. Sandra, we're going for the fifth category and the nominees are... Tout à fait, la catégorie Femmes d'exception, Association pour l'épanouissement des personnes âgées. Et tout de suite, voici les nominés. African Women's Award 2019, voici les nominés. Africa Women's Award, les nominés. Femmes d'exception pour l'épanouissement des personnes âgées. Kidis Negash Wede Yohannes de l'Éthiopie. De l'association HelpAge International pour son engagement dans les soins de santé pour les personnes âgées et vulnérables. Sarah Beboy, épouse Kalalobe du Cameroun. MUPAC, APAV Association, son engagement dans l'épanouissement des personnes âgées, pionnière dans la mobilisation pour une meilleure prise en charge des personnes âgées et leur épanouissement. Thérèse Lokwe Djomako du Cameroun. AFDAC, Association des femmes dynamiques, pour son combat dans l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées pauvres. African Women's Award 2019, voici les nominés. Votez en envoyant le nom au 81 98 ou cliquez sur la page Facebook Africa Women's Award. Madame Adèle Mbala, représentant du directeur général de la CIRC-TV, Monsieur Charles Ndongo. Madame Adèle Mbala. Ladies and gentlemen, please make welcome another phenomenal African woman of Cameroon origin representing the director general of the Cameroon Radio Television tonight, Mrs. Adèle Mbala. Elle est originale et inspirante. Alors, au nom de Monsieur le directeur général de la CIRC-TV, le service public de l'audiovisuel, et en transmettant toutes les félicitations de Monsieur Charles Ndongo à Madame Dinali, j'appelle ici, pour cette catégorie, Madame Sarah Beboy, épouse Kalalobe. Honneur aux femmes d'impact. Sarah Beboy Kuta, veuve Kalalobe. C'est une ancienne au regard projectif et visionnaire. À 92 ans, Sarah fait encore bouger les lignes dans un environnement où les personnes âgées sont considérées comme délaissées pour compte, reléguées au rétroviseur social. La princesse Sarah, née le 11 mars 1927, crée la MUPAC en avril 2003, la Mutuelle des personnes âgées du Cameroun. Elle travaille pour l'amélioration des conditions de vie des personnes du troisième âge. Traitement des retraités à la caisse, campagne de sensibilisation au suivi des maladies du troisième âge, organisation des excursions de divertissement, la liste des œuvres de la princesse Sarah est longue. Elle a de quoi tenir. Passée par l'école normale de Rufisque en 1948, elle entre au ministère de l'Éducation comme inspectrice nationale chargée du secteur préscolaire et crée les premières écoles maternelles du Cameroun. Elle est fondatrice du centre socio-éducation Les Enfants de Maman Nono, premier centre d'éducation inclusive au Cameroun, un centre où sont accueillis des enfants autistes trisomiques mongols. Son association, la MUPAC, accueille les seniors d'au moins 50 ans, sans distinction de sexe, de classe ou de tribu. Plus de 8000 membres répartis en plus de 77 antennes. C'est maintenant que la vie commence, car maintenant tout est bonus et il faut bien en profiter. Sarah Beboy Kuta, veuve Kalalobe, est une Africaine d'exception
et d'impact. Honneur aux femmes d'impact. Bonsoir à tout le monde. Vous comprendrez pourquoi peut-être je vais lire mon texte. C'est un événement unique et il faut féliciter Dilani ainsi que d'avoir eu le courage d'organiser cet événement qui est l'événement de Africa One Ever. Et c'est l'acronyme AWA qui veut dire femme chez les Berbères ou les Bambara. Messieurs les honorables invités, la MIPAC, Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, remercie particulièrement Africa World Affairs pour avoir choisi la MIPAC et pour qu'elle vous dise ce qu'elle fait et ce qu'elle est. La MIPAC n'est pas ici pour la compétition, mais c'est pour vous donner un exemple. Un exemple que les gens peuvent faire eux-mêmes sans avoir peut-être envie de l'État. Pour soulever et soutenir ce que l'État ne peut pas faire. Parce qu'un État est composé de civils et des administrateurs. Créée depuis 2003. L'année-là, c'était l'année où il y avait une grande sécheresse en Europe et ce sont les personnes âgées qui étaient mortes en majorité. Peut-être c'était par manque d'encadrement. Et c'est ce qui a fait à ce que une vieille association des femmes qui a assisté pendant longtemps aux réunions européennes, aux conférences des associations des personnes âgées, s'est demandé si le Cameroun ne peut pas avoir une association de vieilles personnes. Et cette association a été créée, faite de 52 personnes. Depuis 2003, la MIPAC est un exemple que les pays africains doivent suivre. Car une femme à la tête d'un mouvement est comme la mère qui pense et qui se sacrifie pour le bien-être de sa famille, donc de tous et de toutes. La devise de la MIPAC, c'est santé, bien-être, solidarité. Nous avons mis sur pied en 2012 la solidarité, bien que nous nous engageons pour la protection de la santé. Pour soutenir et accompagner ceux et celles qui vieillissent, mais ne demandent qu'à bien vivre leur vieillesse, se soigner et être enterrés dignement. On va encourager Madame Veuve Kalalobé, s'il vous plaît. Car, mesdames, messieurs, vieillir est un don de Dieu. Et vieillir doit être aussi. Vieillir devrait être, doit être aussi la valorisation d'une vie, le partage d'expériences, la persévération des valeurs.
la capacité de cultiver ses valeurs par la dignité est un don permanent de soi. Et la vieille personne doit transporter la joie de vivre. Elle doit combattre l'isolement et l'angoisse de savoir ce que sera son corps lorsqu'il va mourir. Si elle est malade, comment se soigner? Qui va supporter ses charges de la maladie et les charges des obsèques? La MIPAC a voulu mettre fin à toutes ces questions et a décidé depuis 2006 de porter assistance aux personnes âgées et surtout de soulager leurs angoisses. Quelques statistiques pour attester ce que nous faisons depuis 2012, que nous avons mis sur pied la solidarité MIPAC. À ce jour, nous avons 377 190 personnes âgées ont bien bénéficié de notre assistance grâce aux fonds accumulés par la solidarité. De 2012 à 2018, nous avons dignement soigné et enterré 110 personnes âgées. Donc, le dernier vient d'être enterré avec le soutien de la MIPAC à Bafa ce 22 mai 1919. Ce n'est pas en compétition avec qui que ce soit que la MIPAC est, mais elle vient rendre compte de son expérience et se sent honoré d'avoir été choisi dans cette catégorie. Honoré par votre reconnaissance pour sa contribution à ne pas laisser cette partie de la société péricliter. Car si Amadou Ampata-Ba disait en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui se brûle. Mais la MIPAC dira, un MIPAC qui meurt est une personne qui donne l'exemple de vivre et de transmettre l'expérience et ne pas brûler la bibliothèque. Je remercie l'AWA d'avoir pensé qu'il fallait témoigner de cette expérience typiquement africaine et de savoir récompenser la persévérance et le don de soi. Car une mère sert, mais elle ne se sert pas. Je souhaiterais que mes petits-enfants, parce que j'ai bien des petits-enfants parmi vous, les délégations qui sont arrivées. Et qu'en partant, rentrant chez vous, vous essayez avec les vieilles personnes de mettre sur pied une organisation comme la MIPAC. J'ai quelques prospectus avec moi. Si vous voulez, je vous les remettrai. Et vous allez voir comment vous pouvez en faire chez vous. Longue vie donc à Africa Woman et Vert, au AWA, vivent les femmes d'Afrique, l'exception africaine et l'excellence du monde. Personnes âgées, nous, quand nous disons personnes âgées, on répond, rendons grâce à Dieu. Merci de votre attention. Ladies and gentlemen, give it up for the winner of tonight. Taking the prize of the old person's category, that's the feat category tonight, Sandra. Will be announced on the 6th. Tout à fait. Un message assez touchant qu'il fallait entendre absolument jusqu'à la fin. Grâce au AWA, Africa Women's Award, à travers ce beau discours de Madame Veuve Kalalobé.
une femme d'impact. Africa Women's Award, honneur aux femmes d'impact.